Avant de se quitter, une triste nouvelle, celle d'un départ trop rapide, celui d'une des grandes signatures de la rédaction de France 2. Nous avons appris aujourd'hui la mort de Claude Samper, grand reporter pour nos éditions du journal, mais aussi pour le magazine Envoyé Spécial. Il avait obtenu le prestigieux prix Albert Londres, il a parcouru la planète pour nous informer en Afghanistan, au Kosovo, au Cambodge, aux États-Unis. Il était une plume, rare, précise, empathique, il aimait ce métier, nous poussait toujours vers l'exigence et la rigueur, que son travail et sa passion pour le journaliste servent d'exemple pour la nouvelle génération. Il était notre confrère, notre ami, Claude avait 55 ans. Nous pensons à lui ce soir, à Dominique, à Mathilda et à Esteban. Fin de cette édition. Demain, Leïla Kaddour. On se quitte ce soir sur des images de Claude. Passez une belle soirée. Jusqu'au bout, tous ces réfugiés, près d'un millier, qui arrivent depuis cette nuit. Les hommes de l'Alliance du Nord ont appris pour la première fois la présence de soldats américains sur le sol afghan. Vous savez qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui travaillent régulièrement sur les dossiers corses, qui reçoivent des menaces de mort. Ça peut paraître peu, mais en fait c'est énorme. La sortie est imminente, peut-être dans 2 ou 3 minutes. Kate et William, regardez ce qu'on vous a préparé. Oh, voilà. Ça a été fait par tout le bureau de Londres. Vous savez, ce n'est quand même pas tous les jours que l'on voit des...